Notre dream, notre rêve. One of the larger unknowing camps is nearby. Their lack of organization tends to make it difficult for them to avoid the conflicts between the guild and the order. Of course, the unknowing themselves make their own little raids. This results in it being difficult to maintain any sense of pity. Regardless, I'm sure the onslaught was horrendous. People never fight harder than when someone else attempts to uproot their anchor, even if that someone only does so by existing. Hey, hello, ici PRJV13 et bienvenue aujourd'hui sur The Old City Leviathan. Ouais, on était rendu dans ces charmants petits endroits. Oh non, elle tient pas la lumière, faites attention. Un gun, ramasse le gun! Ah non, il n'y a rien à buter, c'est... Bon, on s'en va vers en haut, ça a de l'air, hein? Toc toc! Qui est là? Ça mène tout droit là-bas, et celui-là, il mène où, le charmant petit? À une sortie. On va aller voir là-bas. T'inquiète. On va pas prendre tout de suite la sortie, hein, ce serait poche, skipper un petit bout de jeu. Et voilà. L'autre sortie! What the fuck? Blablabla, désolé, mais je lirai pas ça. Oh là là, il y a de l'air d'avoir des affaires ici, t'es une mine, quelque chose? Can I open this door? Oui! On va aller voir, il y a des cadenas partout, quelque chose a sans doute été verrouillé quelque part dans l'esprit des gens. Oh! Il y a du monde qui vivait ici, est-ce que je vois? All of our dreams at their core involve some sort of contentment. This is the one desire we all share, but is it a goal that really should be met? After finding contentment, what then? Where is there left to explore after the last temporary comforts of happiness have been extracted? I don't know, pas savoir, hein? Y'a-t-il quelque chose ici? Anyway, y'a rien nulle part, y'a juste des trucs à checker puis à explorer, puis ici y'a de l'eau qui coule, c'est pas beautiful. De la viande en sac? What? Ils ont pas de l'air d'avoir manqué de bouffe, c'est bien. Mais bon. Ici, il y a de l'eau mouillée. Ah, je peux pas plonger dedans. Waouh, un beau petit décor fantaisiste. C'est-tu pas merveilleux? Je peux retourner là? Je peux pas sauter d'en haut dans l'eau? Ce serait rigolo. Et bienvenue dans ce beau pays dépaysé. Nous avons des beaux tonneaux par ici, par là. Dessin, non? Oh. I guess qu'il y a un chemin par là, puis par là. On va aller voir... On va regarder vite, vite, là. Our island is plagued with the fruits of a collective mental landscape that defines us as desperately holding on to something correct. So there is no place to hide, without secluding, or perhaps risking, the inland. On some level, I feel as though I cannot blame the dwellers. Their zeal for truth is commendable. They're fighting for something, rather than keeping it to themselves. They're acting, instead of hiding. Still, must cruelty be the manifestation of certainty? If only truth did not need to be compatible with itself. If only we didn't need an anchor to be right. If only we could sail instead of collecting dust on the memories of voyages past. Ouais, t'es quelqu'un de très philosophique, toi. Et nos belles grosses notes. C'est dommage qu'il l'ait pas en français. Ce serait chouette de l'avoir en français. Mais non, il n'y a rien ici, finalement. Oh.
Peg, elle a une belle petite piole ici. Avec un autre belle note. Y a-t-il quelqu'un ici? Dites-nous quelque chose. The Fluid Gate. Prenons un instant pour admirer ce beau petit paysage. Il y a un pont là-bas. L'eau qui coule. On va grimper, hein? Oups. Ouais, au final, ça n'a pas mené nulle part grimper. Ici, il y a les ténèbres obscures. Ok, on va sortir de là. Les profondeurs. Ouais. Un beau petit livre ici, encore. La musique, c'est comme tout à coup arrêté. Est-ce que c'est bon signe? Ah, prends une pause, Cécile, non? Pourquoi est-ce qu'il y a des lags, tabarnak? Il y a des settings qui ont changé pendant que... Ben, pas pendant, mais il y a des settings qui ont changé sur le jeu, là, encore. I don't know why. Il y a une porte, puis là-bas, ça continue. Y a-t-il quelque chose ici à regarder? Admirer paisiblement. Y a rien, hein? Oh? Ah, on prend ce paisible moment à regarder le décor. Et voilà. Oh, c'est la fin. Non? Ok. Mais je fais ta voyage. Il y a une porte ici, puis ça monte là-haut. Quelque chose me dit qu'il doit y avoir quelque chose de chelou là-bas. Comment ça va pas mal de portes à mon goût là? Allez, voilà, une place juste au cas où. Que j'ai manqué de quoi là? C'est marqué de descendre, mais moi je vais monter. Pourquoi? Parce que ça me tente. Bon, allez, c'est né, où est-ce qu'ils me disent de pas aller? Is this dream truly manifesting? Could the voyage be useful beyond escape? Tu vas pas m'attraper, hein? Avec tes gros doigts dodus. Ok, ben c'est bien, c'était ça. Ben, sur le sol ici, puis là, c'est tout. Ok. Bon, ben c'est bien, j'ai pas manqué grand-chose. Bon, ici, c'est encore la chute là-bas. Ici, nous avons droit à cette porte et cet endroit là-bas. Qui mène où? Il y avait de l'électricité à l'époque. Oh là là. On va s'y verrouiller, ok? Oh, des chapignons. Y a-t-il quelque chose ici? Oh. Comment est-ce que... Des notes sur le mur. Et ici, une autre note. Note de Solomon débloquée. Ok, je peux pas aller par là, c'est bien. Ça fait penser à ça, si jamais on venait qu'à disparaître, tout ce qu'on a fait va rester bordélique pendant longtemps, là. Subway access, allons voir le subway. Comment ça va faire, non? Let's go. Loading. Bon, on est retourné dans la petite chambre toute charmante ici, c'est-tu pas beautiful, ça? Fait que, vu qu'on est rendu au prochain chapitre, on va finir la vidéo ici, même si c'est court, peu importe, c'est pas grave. Merci d'avoir écouté, likez si vous avez aimé, abonnez-vous sur plus de contenu et à plus.